Nous voilà partis pour la Yagon dans un premier temps. En fait, j'ai choisi d'aller à la Yagon parce que je sais qu'il y a des serres, qu'il y a des forêts, et qu'entre la Cerdagne et le Cap-Cir, je serais pas mal. Je devrais avoir le Bram là pour le repas. Je décolle, hein, j'en ai pour 1 h 15 de route. Puis après, on verra sur place, on refera un point. Là, comme je suis tout seul, il n'y aura pas de vidéo de la route. À toutes. Le village d'Eus. J'ai trouvé un super spot en hauteur et tout. Avec de la forêt, tout ça, il serait parfait. Le seul truc, c'est que c'est une zone de tir, donc je sais pas. Je pense pas qu'ils tirent le soir, mais je sais pas trop quelles sont les autorisations ici. Après, je pensais pas passer la nuit de toute façon ici, mais je sais pas. Bizarre. Enfin, je vais regarder sur internet ce que c'est cet endroit. J'étais jamais venu ici. Je suis arrivé, je suis monté au-dessus de la Yagon, un endroit dont j'avais pas souvenir en fait. Le pitch de la Tosa. Et donc en fait, il s'avère que c'est une zone pastorale. Et en fait, en même temps, c'est un champ de tir pour l'armée. Donc il y a des panneaux avec marqué se renseigner, interdit, danger de mort. En fait, si on entend le son de la corne brume, là, bah, il vaut mieux pas être là. Bon, moi, là, c'est le soir, donc je pense que ça pose pas de soucis. Sinon, apparemment, il y a les horaires affichés quelque part. Donc, il faut se renseigner avant de venir. Et c'est un endroit qui est magnifique. Je montrerai peut-être demain en haut, là, il fait nuit, donc... Mais c'est magnifique. Et puis, voilà. Voilà, il y a ce que j'aime, hein. C'est ça. Écoutez... Voilà, le son des cloches, hein, des vaches, des troupeaux. Et puis il y a cette odeur. Cette odeur de montagne, c'est incroyable. Après, il y a une histoire de nostalgie, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. On me voit pas beaucoup, par contre on entend, et je pense qu'on entend. J'ai trouvé un bon coin à la Kiane. J'ai roulé pas mal, j'ai vu plusieurs biches en fait. C'est marrant, on en voit partout du coup, et encore plus que quand on en mal, ce qui est logique. Et je suis parti du Cap-Cir parce que j'entendais tirer en fait, et je suis venu ici. Donc je vais essayer de faire des captures, je vais essayer de voir ce que je peux faire exactement. Bien que je me mettrai en poste demain assez tôt. Parce que là, bon, c'est tard, il fait nuit et donc je peux pas faire grand chose. Mais rien que pour le plaisir des oreilles, c'est cool. C'est génial parce qu'à cet emplacement en fait, ça résonne à la fin de chaque brame. Quand il fait un gros brame assez long, ça résonne, il n'y a rien d'autre. Par le bruit des cloches, des vaches au loin. Et du coup on entend ce son qui résonne. C'est magique, c'est vraiment génial. C'est vraiment
quelque chose qu'on apprécie retrouver au fil des ans. Je suis revenu un peu à la voiture et parce que je vais mettre un pull parce qu'il doit faire 3 degrés. Donc c'est vraiment frais, là j'avais que la doudoune et le t-shirt en dessous. Puis le pantalon qui est fait. Et là, il me semble en entendre plusieurs en fait. Donc je vais essayer de. Le problème c'est que j'ai pas un micro, là j'ai pas pris le micro pour enregistrer, c'était pas prévu donc. Ce qui est dommage parce que j'ai l'impression qu'il y en a un deuxième en fait qui s'est rapproché. Et il m'a semblé entendre en fait les bois qui s'entrechoquent. Ce qui se passe pendant le drame, c'est qu'il y a des combats entre eux. Là c'était impressionnant. Donc je vais voir si j'arrive à vous l'enregistrer et si j'y arrive tant mieux. Après demain j'essaierai d'être en poste pour vraiment me mettre dans le sens du vent comme il faut. Pour vraiment essayer de me retrouver très proche. Là ils sont déjà assez proches. Hein. Ils sont juste là dans le champ en fait. Donc... sèche-vite en cas d'effort. Puis après j'ai pas mal de vêtements techniques, polaire, tout ça. Bon là j'ai pris ça aussi parce que je peux me le permettre vu que je suis pas un total nomade, que j'ai la voiture et ça c'est bien chaud. Et si j'ai froid de nouveau je rajouterai une couche. En fait il a neigé il y a 2 jours. Là c'est un peu fondu parce qu'il y a eu du soleil là pendant les journées précédentes. Le Cambrodas s'est saupoudré en fait. Cerdagne, donc le Cambrodas, le cirque, est saupoudré de neige. Et par contre, Cap-Cyr, ce qui est normal, hein, mais il fait un peu plus froid. Il y a le sommet par exemple du Carlit qui est bien enneigé et encore en nuit. Bon c'est normal, il est plus haut que le Cambrodas qui est à 2007 de 200 mètres. C'est parti. On redécolle, j'hésite à aller italien quand même. Aller soit en Cerdagne, soit à tester le col de la Yose là. Parce que là ça a l'air de s'être réveillé, mais bon après là ça a commencé tard et je pense qu'il vaut mieux que j'arrive à me caler en Cerdagne, à l'endroit où je vais dormir. Voir si de là-bas j'arrive à les avoir, trouver un endroit où potentiellement on les entend, installer un petit campement. Et si je suis bien placé au niveau du vent, ils s'approcheront. Parce que là, ça devient compliqué, s'éloigner un peu. Puis j'ai fait pas mal de photos, je vois clair dans le champ, comme il y a la lune qui est claire avec la 7S en longue pause, on voit direct, enfin, en longue pause, il n'y a même pas besoin, avec une petite montée en ISO et. Pause de 3 secondes, j'y voyais comme en plein jour et avec le 70, tout ça j'ai balayé, je les vois pas. Pour moi en fait il y a une colline là, il est derrière. Ça j'ai en profité pour mettre le chauffage. Ça peine un peu là. Ça caille. La voiture est bien refroidie, la température il fait. 6,5 degrés, mais j'y crois moyen parce que là, c'est bizarre, elle est remontée alors que je crois que ça soit remonté. Bon voilà, à travers quelques photos et tout, vous allez voir ce que j'ai fait là sur ce spot. Et sinon pas plus. On va
On va tenter ailleurs. Le seul, le gros souci, en fait, le gros souci que j'ai, c'est que j'ai pas mon trépied. Je l'avais pas prévu. D'habitude, je prends toujours mon trépied avec moi et sur le sac à dos. Mais là, le problème, en fait, c'est que j'ai oublié dans la voiture d'un ami l'autre jour. Puis j'ai pas pu le récupérer. Donc, je suis sans trépied, c'est vraiment abominable. Mais bon, là je me démerde. Hein. Je fais comme je peux. Tout à l'heure, je vais avec les poteaux. Là, je faisais. Vous allez voir les photos que vous avez vues. En fait, j'ai réussi à coincer sur les poteaux. Poteaux de neige. Hein. Là je dors et en fait alors c'est prévu que je l'aménage. Bon, voilà, je me mets en travers, il y a le coussin là-bas et sous la plage arrière, comme ça le matin je suis pas réveillé. Voilà, voilà, voilà. Là je suis couché, puis je vais dormir pour être réveillé pas trop tard demain. Je suis en place, je suis trop bien. Super bien. Il fait bon, il fait largement plus chaud que dans le Cap-Cyr. Il doit faire 7 degrés là presque, alors qu'on était à 2 degrés dans le Cap-Cyr. C'est assez étonnant. À demain.